Yo tout le monde, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur Xenoverse 2. Donc aujourd'hui on va jouer avec Trunks du futur. Donc voilà, donc j'ai regardé, il y avait plus de Trunks du futur, mais là j'ai pris le Trunks du futur de Dragon Ball Super, en gros celui de la saison Black Goku. Voilà. Donc voilà, avec j'ai pris Gotenks et Trunks. Bah leur taille normale quoi. Du coup on va le tester, on va les laisser tranquille. Moi je vais recharger en attendant. Donc c'est parti, on va mettre le Super Saiyan 2. Parce qu'il a le Super Saiyan 2 celui-là. Voilà. Non, par l'attaque. Donc on va se battre contre Goku God. Il est stylé parce qu'on peut prendre son épée. Oh, il se casse. Bon. Comment on lui a foutu cher. Trunks du futur, je le kiffe parce qu'on peut utiliser les poings et l'épée. Donc c'est parti. Donc excusez-moi si des fois je laisse deux semaines avant de faire des vidéos des fois. Vu que ça sera les vacances, je préfère des vidéos cette fois. Oh, il fait chier. Quand j'appuie sur le bouton pour défendre, ça veut pas. Putain, la défense, ça fonctionne pas. Il prend trop de temps pour défendre. Ah, c'est normal, c'est pas celui-là, bouton. Depuis tout à l'heure, j'appuie sur le mauvais bouton. Attends, ça c'est pour viser en fait. Oh, j'allais foutre cher comme par là, il se casse. Oh, fait chier. Trunks du futur, je kiffe. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis sa transformation en rage. Je pense qu'ils vont le mettre. Ou peut-être que dans les DLC, il y est hein, la transformation en rage. Parce que les DLC, je les ai pas achetés, du coup, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais si j'achète des DLC, ça sera pas dans ce Xenoverse là. Ça sera dans Xenoverse 3. Enfin, il faut qu'il existe déjà. Ouh. Donc ça c'est une attaque normale quoi. On va tester la dernière attaque pour l'achever. Donc on va essayer de faire un truc que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Oh merde. Voilà c'est ça. Ah ouais, ça aussi c'est pas mal. Vengeance. Oh stylé. Oh comment je l'ai eu. Bon voilà, c'est un petit gameplay avec Trunks. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc quand vous voyez que je fais des quêtes, c'est vraiment que j'ai pas d'idée de vidéo. Parce que les quêtes ça dépanne en fait. C'est des dépannes. Parce que là j'ai des idées de vidéo, mais il faut attendre les 3 semaines, un mois. Et un unboxing. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un commentaire et un pouce bleu. What? Il est en Goku Blue. Elle existe cette tenue maintenant? Avant de vous quitter, je vais aller voir si elle existe. Mais c'est choquant.
SSJ4. Moi je le veux tout de suite. Mais non, ça c'est livraison. Dégage, c'est moi qui regarde. Celle-là elle est pas mal. Ah ça c'est le roi Saiyan ça. Roi Vegeta, voilà. Quand même le roi Saiyan, il a jamais eu de transformation Super Saiyan. C'est bizarre. C'est sûrement ici. Vêtements. Ou ça, il faut acheter le DLC. Fait chier, quoi. Ou ça, c'est un accessoire. Un accessoire Super Saiyan 4, je crois pas ça existe. Oh, ces mecs dans Dragon Ball Super. Oh. What the fuck? On va faire un petit tour là-bas aussi. C'est bizarre. What? Un crâne invisible? Ah non, j'ai cru. Donc je sais pas où c'est. Donc dites-moi en commentaire si vous savez. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si la vidéo vous a plu, lâchez un commentaire et un like. Et vous abonner si c'est pas fait. Bon allez, peace.